Salut à tous, bienvenue au Wodatome numéro 66. Aujourd'hui, on a du pain sur la planche. On va faire un wood qui se nomme The 7. Donc, on se doute que ça va être autour du 7. Je prends mon temps parce que Samy est bien là. Donc, on va avoir 7 rounds. On commencera avec 7 HSPU. Et nickel. Voilà. Alors, les HSPU, si vous avez du mal, on fera des pike push-up. Les fesses en l'air, on amène la tête posée devant les mains pour former un triangle au sol. Une fois que vous avez fait vos 7 HSPU, vous ferez 7 clean and jerk avec votre poids. Une main ou deux mains, c'est à vous de voir. On l'amène sur l'épaule, on jette et on enchaîne les 7. Ensuite, après les 7 clean and jerk, vous ferez 7 V-up. Pour les V-up, jambes tendues. Si jamais c'est compliqué, vous n'hésitez pas à plier les genoux pour ramener au-dessus. Voilà, super. Merci Samy. Numéro 4, on fera 7 SDHP. Donc, sumo deadlift high pull, vous prenez votre charge. Samy va enchaîner un petit peu plus vite. Voilà. Et il va nous faire les 7. Super. Quand il a terminé les 7 SDHP, il enchaîne sur 7 kneeling step up. Voilà, il ne remonte pas entièrement, il reste à la parallèle et il fait les 7. Quand on a terminé les 7, il va faire 7 swing avec son poids. Super, et dès qu'il a terminé les 7 swings, il va enchaîner avec 7 dips en bord de table, bord de chaise, peu importe. Vous mettez vos fesses dans le vide, vous avancez plus ou moins vos pieds pour avoir de la difficulté ou plus de facilité. Et vous faites vos 7 dips. Quand vous avez terminé ces 7 mouvements de 7 répétitions, ça fait un tour. On en a 7 comme ça. A tout à l'heure sur Zoom.